Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce texte se situe dans Matthieu 19, 21. Telle fut la réponse du Christ au jeune homme riche qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour gagner la vie éternelle. Que voulait donc Jésus de ce jeune homme? Il voulait tout. Il est intéressant de remarquer que lorsque le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, nous dit le verset 22, Jésus ne courut pas après lui en lui disant « Hé là, reviens, détends-toi, je parlais en parabole, il suffit d'apporter ta dîme et tes offrandes. » Non, l'argent était devenu un dieu dans la vie de ce jeune homme, et seul un abandon complet de lui-même pouvait être acceptable. Si nous lisons la Bible honnêtement, nous conclurons que Dieu veut tout. Un jour, une mère de 5 ans qui écoutait un sermon décida de donner tout ce qu'elle avait en sacrifice pour la cause de Dieu. En rentrant chez elle, elle chercha parmi ses affaires ce qu'elle pouvait donner et se rendit compte que, dans son extrême pauvreté, elle n'avait rien d'utile ou de valeur à donner. Soudain, son attention fut attirée sur ses 5 précieux enfants, 3 filles et 2 garçons. Elle alla dans sa chambre et pria ainsi. « Seigneur, je ne possède aucune richesse matérielle qui puisse servir pour ta cause, mais j'ai 5 enfants. Aujourd'hui même, je les consacre aux missions. Utilise-les comme missionnaires. » Quelques années plus tard, tous ses enfants servaient la cause de Dieu comme missionnaires. Ellen White nous aide à comprendre ce concept en disant « Au moment du succès, quand les filets étaient remplis de poissons et l'appel du passé était le plus fort, Jésus demanda aux disciples qui se trouvaient au bord de la mer de tout quitter pour se vouer à l'œuvre de l'Évangile. Chaque âme est mise à l'épreuve de la même manière et doit montrer si elle préfère la communion du Christ au bien temporel. Nous trouvons cela dans Jésus-Christ, page 258. C'est vrai, Dieu s'attend à ce que nous lui abandonnions tout, nos dîmes et nos offrandes de promesses. Nous sommes qu'un symbole, un pense-bête et une expression de notre consécration complète à lui. En les lui apportant maintenant, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.